tire les informations des hebdos ou bien des mensuels people. Ah d'accord. C'est pas les quotidiens, non, non, non. Voilà pourquoi. Et puis, voilà. Et puis on va ajouter un complément d'information. Oui. La 53e édition, il faut préciser, 53e édition de l'Elite One qui a commencé hier à Douala. C'est en fait professionnel. Oui. Le match d'ouverture opposait Tipo United contre Union Sportive. Et un match qui s'est soldé par la victoire de Union Sportive de Douala, 2-0. Voilà. Donc, très beau départ pour. Très beau départ. Très beau départ et une première. Oui. Uh-huh. C'est la première fois qu'un match de foot, enfin, pour ces derniers temps, un match de championnat était retransmis en intégral et c'était très beau. D'ailleurs, ça donne envie de repartir au stade. Ça donne envie de repartir. D'ailleurs, moi, j'irai parce que Franck Appy, maintenant le président de l'Union, ça va devenir un peu plus comme on savait avant. Nous, on veut le match Dynamo Club de Douala contre Nassara Union. On veut faire un match des équipes qui ont les noms de marques de farine, de bière, contre Dynamo. Pour amener les gens au stade, il faut faire ce que ils ont fait là. En tout cas, la Ligue est bien partie avec ce match pour vous que ça dure. Ouais, on m'a parlé un peu de Dynamo. Qu'est-ce que tu veux dire? Président à un moment, Dynamo, on a promis 100 millions. Qui? On parle des taux qui auraient promis 100 millions sous la présidence d'Hervé Emmanuel Combe. On se plaint d'avoir jamais vu les 100 millions. Des taux? Oui. Je crois que vous mettez un gros sombrero sur la tête de Samuel. Oui. Et il ne faut quand même pas exagérer. Mais ça, je savais qu'on n'allait pas louper l'occasion de parler. Je savais pas. Non, Samuel veut bien soutenir Dynamo, mais à condition qu'il n'y ait pas de désordre. On vient de mettre fin au désordre. Et nous en mettant la dame, ça ne va pas une machine de distribution, là, il jette pas l'argent. Oui. Il met l'argent pour que ça serve à quelque chose. Okay. C'est la raison pour laquelle nous sommes allés chercher une femme de talent et de caractère, Dinali, afin qu'elle dirige cette équipe pour qu'elle retrouve ses moyens. Quoi, avec ça pour changer ça, c'est un changement. Voilà, on parle de la Dynamo tout après. Oui. On se retrouve dimanche prochain. Oui, avec plaisir. Voilà. Avec tout le même plaisir. Bon après-midi à nos fidèles téléspectateurs. Voilà, on va continuer à partager ce merveilleux plaisir avec nos téléspectateurs, aussi avec Steve Paxamo. Une fois plus. Mesdames et messieurs, la vie de chaque peuple est rythmée par une pensée, une croyance, une histoire et finalement une idée. Chez les Bassa, c'est la SICO. Et chez vous, c'est quoi? Bonsoir.